Maintenant, c'est jouer Bart Arm sur le sentier. Il y a un studio des artistes très riches, enfin des gens qui se disent artistes et qui sont surtout riches. Et le sentier très agréable qui longe la côte, ses rochers oranges. Très joli. J'avais passé des heures ici à regarder des bulles. Je m'étais photographiée.
à ce qu'ils appellent un gaze. C'est un endroit où, comme c'est un passage d'oiseaux migrateurs, au bout là-bas, c'est une construction, enfin, ils empilent des pierres, ils s'abritent pour tous les pauvres animaux qui passent là. C'est leur chemin habituel. Donc là, je continue le sentier. Le vent a soufflé fort jusqu'à 3-4 heures du matin, puis après ça s'est calmé. Ce matin, ça va, grand ciel bleu. Le vent a fait un grand nettoyage. Est bien balisé. C'était le spot où je vais peut-être. C'est un joli petit spot. La mer qui mène les choses, la mer et le vent qui est fort ici quand il s'y met.
plage. Très jolie. Et là, c'était pas assez abrité du vent, je crois pas passer une bonne nuit. Le vent, il venait de là. C'est pas du tout abrité. J'étais super bien, là, je crois. La bruyère qui fait ses petites fleurs. Mais ça peut être passager. Là où j'étais, j'y retournerai. Peut-être. Un petit banc. Finir pendant le sein de l'escalier. Bien, je l'ai remis.
replica. Wow. Another great big rock. Peut-être dans toutes ces herbes là, j'ai goûté une fois du bois du Labrador. C'est peut-être la même chose. Je poserai la question à l'occasion. Joli. C'est un petit peu comme le Green Garden. Oh, camion. Un couloir. Des iris qui poussent de partout. Magnifique.
Ah bah, je savais pas qu'on passait par la maison. La mer est un peu agitée. Rocher de poudre. C'est comme aux îles de la Madeleine, ça se met en poussière. Powder rock.
la belle toundra là, c'est magnifique. J'adore. Super beau. C'est orange. Même dans tous les trous, les cailloux. Petite île asséchée. Ah, oh, j'ai écouté. Commence à être mûr. Yeah. Non, elles sont pas mûres encore, il faut encore quelques jours. Ah, je suis contente. Waouh, il y a plein là. Bon, jusqu'à maintenant c'était on marchait sur un pied, maintenant ça va être sur deux pieds et les deux pieds inversés. Deux sentiers. Ah, oh, c'est cool ça. Brook Point, Toba Point. Ben, j'irai voir le Brook après. Ah oui, c'est là qu'il y a le phare. Un champ d'iris. La terre est belle, elle est très riche.
Ah, d'accord, le fort est là-bas. Ici, c'est le camp des chasseurs dans les basses, des goélands. Idée incongrue. Salut Hiron. Métal. Waouh, là par contre les roches sont sublimes. Waouh. Ah, j'adore. Peut-être que les hirons immigrent et passe par là. C'est magnifique. L'appareil n'avait plus de batterie et donc je me suis arrêtée. J'ai continué mon chemin après le phare, en marchant sur les rochers en priorité parce que c'est un peu plus de marécages. Je suis arrivée à cet endroit qui est magnifique, où je vais bivouaquer ce soir. Et puis demain, j'essaierai d'explorer un peu plus loin en passant par les rochers au-dessus. Peut-être aller jusqu'à Tilting, là-bas il y a des montagnes dépasser, donc je verrai. Si ça marche pas, ben je ferai une demi-tour, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, on est au 14 juillet.
Je continue. Je me suis trouvé un très joli endroit pour dormir hier. Juste au-dessus du lac. Quelques moustiques dans la nuit. Il y a même des baleines. On souffle. Et là, je suis en train d'explorer. Je vais aller un petit peu plus loin. Je suis en train d'explorer en passant par les rochers, parce qu'en bas c'est assez boueux, enfin ça peut être boueux, quoique c'est relativement sec à mon sens. Donc là je vais continuer par les rochers. Puis, en plus dans les hauteurs on voit où on va à peu près. J'essaie de marcher un maximum sur les rochers pour pas abîmer là. Belle nature. Hop là. Donc c'est de la forêt derrière. Là. C'est un test hein, parce qu'il n'y a pas de sentier, donc déjà je suis arrivée juste là hier, c'est déjà pas mal, je suis bien contente. Il y a plein de petits sentiers, mais je pense que ce sont des sentiers d'animaux ou peut-être de chasseurs, je sais pas, c'est pas mal de chasseurs dans la région. C'est plus sûr parce qu'il y a des herbes qui cachent des trous. Trop pas mal. Surtout qu'il n'y a pas de réseau, je ne pourrais pas téléphoner. Ah ouais, là c'est une grande baie. Et au loin, je vois comme un sentier. Ah, peut-être qu'il y a moyen. Là, je dis bien, pas un bruit. Pas de vent. C'est la première fois depuis que je suis arrivée qu'il n'y a pas de vent. J'ai une idée qu'elle peut récupérer la première de l'année. J'aurais pensé que là, peut-être était un lac. En fait, c'est une. C'est une baie. Pardon. Ça, quelques minutes. De l'autre côté, il y a un sentier. Je sais pas comment ça se rejoint. Je crois. Ah, c'est peut-être le sentier de Tintin. C'était plus loin que ça. Donc, belle, belle. Et là-bas,
Ouais, je vais passer par là. Ah, il y a plein de sentiers. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Jusqu'au bout, mais je n'irai pas de côté parce qu'il y a un grand. Je ne peux pas passer de ce côté-là. Tu peux m'avoir. Il y a certains d'ici qui sont tout tordus par le vent. Tant qui les empêche de croître. Les autres sapins. Toujours dans le vent et le froid. Ouais, la descente serait trop risquée. Ça fait comme une falaise. Mais bon, ça, je pense que c'est le sentier de Tintin. Effectivement, ce sentier m'a dit qu'il n'était pas. Je vais retourner. Elle est jusqu'au bout de la pointe. C'est accessible par les rochers, donc le soleil commence à traverser les nuages fabriqués. Un grand X ce matin. C'est bien étalé comme un vol. Et le temps est devenu humide, comme par hasard. Alors qu'ici, c'est jamais humide. Alors, ce petit lac là, il est vraiment adorable. C'est pas si. Ça peut être possible d'aller jusqu'à Tintin, mais il faut trouver une voie pour descendre. J'en ai d'autres. Je vois plus les baleines. Toujours plaisir de les entendre, de les voir. C'est peut-être qu'il sera mieux que je descende là. On entend bien de l'air. C'est bien et pas bien parce que tout est sec et la mousse est en train de mourir à beaucoup d'endroits. Continue sur les rochers. C'était pas nécessaire, mais des fois. Ah, il y a une belle plage. Enfin, belle, une plage. Plage de pêcheurs.
la forêt, ça ne me dit rien, il y a trop de moustiques dans les forêts. Ici ça va, il y a de l'air, donc j'ai pas envie de me batailler avec des petites femelles à vanner. Bien la chanson que j'ai entendue la première fois que je suis venue à Terre-Neuve. It's a rocky mountain and the sea. Je connais pas autre chose, mais j'aime bien. Et ça va très bien. Que du rock. Et il y a aussi du rock and roll. J'aime beaucoup le country. Ça fait du rock and roll. C'est un autre sentier. Partout. C'est là-bas, c'est pas ailleurs, mais là il y a un petit peu de sage. Toutes les fleurs roses qu'on voit, c'est la salvia. La toundra, elle est très courte. Comme toutes les fleurs et les fruits, tout aura du sol pour se protéger. Donc ici, quand il pleut, c'est un ruisseau. C'est ça, c'est des. Ce que je pensais, c'est des falaises. Ou alors il faut faire un grand détour et puis passer sur l'autre bord.
J'ai l'impression qu'il y a un sentier qui part de là-bas, mais c'est moins joli qu'ici. Là, c'est le résultat du X. Ils ont fait un ennuagement artificiel. Et à travers le soleil, en passant à travers, chauffe. Ça fait de l'humidité. Et après, on dit qu'il y a un problème de climat. Il est provoqué. Sans compter ce qu'ils mettent comme saloperie. Bon, allez, du rocher. Un oiseau qui a servi de repas. Puis il a tout mangé. Coyote, j'imagine. Ou un renard, peut-être. Ici, en plus de coyotes, il y a même des coyotes ou des wolfs qui eux peuvent être dangereux. Le coyote n'est pas dangereux, il attaque pas l'humain, mais il peut attaquer l'humain, c'est le loup qui n'attaque pas l'humain, mais mélangé au coyote, il a la puissance du loup et la non-frayeur de l'humain. T'inquiète pas, je ne vais pas venir te prendre ton mine. Ah oui, ça c'est le grand pré qu'on voit de là-bas. Mais il n'y a pas d'accès. Il y a un chemin là. Ah, qui passe peut-être dans la forêt. Pas pour moi. J'aime la toundra et les rochers. Et là, il n'y a pas de mouche japonistique. Oh, le sol est magnifique pour faire pour dormir là. Le bruit de la mer. Alors, je n'ai pas marché sur l'herbe, je marchais sur les rochers pour ne pas perturber l'oiseau qui est en train de me signaler qu'il ne faut pas aller par là. Ah, encore un truc de chasseur, donc c'est ça. Destructeur des oiseaux, ils sont là. Enfin, ils ont construit leur truc. Oh. Là, c'est la pointe. Qui aiment les cailloux, qui aiment le minéral. Moi, je trouve ça super beau.
marche dessus, c'est souple, c'est presque soyeux, très agréable. Ça, c'est des falaises. Les bâtons, ça aide beaucoup. Et encore une pointe avec une falaise. Je suis écroulée. Ici, ils n'ont pas donné de nom aux pointes. Il y a des endroits énormes. Donc, il y en a une qui s'appelle Tête. Je sais pas quoi, peut-être celle-là. Là ça s'avance et après c'est, je pense que Tinting est derrière là-bas. Alors, je sais pas si je vais y aller parce que c'est un village, puis les sentiers sont très vieux, je sais pas. Comme là où on est tout le temps au bord de l'eau avec beaucoup de rochers et un rocher qui voulait arrêter mon bâton. Hein, pour dormir c'est parfait, à part que avec la boue, c'est quand il y en a. Ça chauffe là. Rocher rouge, orange. Tant qu'il y a des rochers, ça va. De toute façon, c'est tellement sec qu'il n'y a que les endroits alimentés par le lac qui sont mouillés. Les rochers sont bien calés. Ils suivent les bancs krill.
Le petit sentier. J'espère que les oiseaux sont plus intelligents que les chasseurs. Le ciel était bleu ce matin, comme hier. Il a fallu qu'il vienne le gâcher. C'est dramatique, cette bêtise humaine. Ce que j'ai vu, le nuage était tout fin et il s'est élargi de plus en plus. Je vais être sous le lac, apparemment. Et mes perspectives, je l'ai regardé toute la journée hier. À sec. Là, il y avait un petit bâtiment, là, c'est une réserve. Mais... je sais pas si c'est normal en juillet que ce soit tout sec comme ça. On n'est que mi-juillet. Hein. Comment on dit? Ex-buisseau. Ça va être un petit peu mou. Ah, c'est sec. Ouf. Là, ici, c'est un lac de pluie. Je vais continuer par là. La terre est très riche. C'est un beau terreau là qu'on vend dans les magasins.
rester imbriqués l'un dans l'autre, ils s'autoprotègent les uns avec les autres. Ah, écoutez, pas mieux. Là, c'est sûr que c'est en plein vent, donc le vent est tant que. Je crois qu'il y en a une qui va être. Ouais, celle-là. Big Apple. T'as un petit goût surette de pomme. J'ai rejeté les petites graines pour ce le sel. Mon petit goût dans le dessus. Yummy, yummy. J'imagine ou des glaciers dans les morillons. C'est là, là-haut que je suis passée tout à l'heure. Là, tout ça va faire. Là, c'est sec. Le temps n'est pas assez long pour que ça coule. Mimi, je te vois. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas aller dans ton nid. Il faut faire attention de ne pas marcher. Je vais marcher sur le rocher le plus possible. On m'a tiré ailleurs que là où ils sont mis. Quelle beauté! Oui. Ils se mettent tous. Momo, les autres. Ah oui, voilà mon lac. Je vais par l'autre côté. Hop, 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 hop. Et voilà. Moi, j'ai dormi dans ce rocher là-haut. Mip, mip. Ah, là, il y a un petit peu d'eau. J'aime pas trop les petits rochers comme ça parce que ça bouge et je pense que je ferme la cheville, le genou, j'évite.
vague. Ça a l'air de trafic. Là, il y a de l'eau. Je pense que c'est bien. Je remercie toutes les plantes sur lesquelles je marche. J'espère que je les abîme un peu plus. Maximum, je sais pas si sur les dessus. Mais... ça sent la mer. Ça bouge. Waouh. Elle est mouette, ici. Pillage. Pour les manger, il vole assez haut. Il est lâche, repère où c'est tombé. Et ça se brise en tombant. Comme ça, ils peuvent le manger. C'est ouvert. J'aime trop. Hop, voilà. Là, c'est l'océan Atlantique. Et hop, des vagues. Ouais. Ah, celui-là, je connaissais pas encore. Bip. Bip bip. Et l'oiseau avec son bec tout pointu. Puis il est parti. Il a vu que je ne représentais apparemment pas de danger pour lui. Et surtout sa nichée. Tout est beau là, sous l'eau. Ce qu'ils appellent le phare, et puis en fait, pas un lampe-à-eau, mais une lampe de signalement que tu vois. C'est ça. On doit clignoter la nuit pour signaler la pointe. Pas bobine.
J'imagine que la mer, elle doit monter. Voir aussi. Entre les roches. Les baleines, tout à l'heure, ils étaient par là. Ça doit être assez profond. Énormément d'oiseaux, mais ceux qui sont là, on les entend. C'est assez sauvage, je vais avoir une vérité. Dans les racines. Les racines comme ça sont très anciennes. J'essaie de les éviter pour pas les éliminer. C'est bien, tu m'entraînes là où tu veux pas déjà. C'est bien. Thank you.
pas grande, alors je passe toujours par des endroits qui sont accessibles à mes jambes. J'ai envie de faire des gymnastiques avec un sac à dos. Dans le dos. Sur les rochers. Quel courage, si peu. D'accord, je viens là où tu es, en centre. Et puis là, pourquoi tu as la lanterne phare, si on veut. Parce que là, tout ça, un phare. Tout à fait un phare. La lumière clignotante en haut qui est alimentée en électricité par un petit panneau solaire. Hier, je suis tombée en perte de batterie. J'avais oublié que j'en avais une de rechange, donc j'ai arrêté de finir. Donc cette partie-là, je vais la faire dans l'autre sens.
Facebook. Le soleil qui a eu hier, peut-être qu'il va se mieux. Alors là, ça, ce sont des tout comme là. Ils sont tout ratatinés, c'est impossible de traverser là-dedans. Pauvre mousse, elle est complètement plate. Alors de marcher dessus, ça devient de la poussière. Pourtant, c'est joli. Ça, c'est une plante carnivore, l'arsenia, qui fait une belle fleur. Et c'est reparti. C'est pas mûr. Ah. Pas mal. Peut-être que... Non, c'est... Encore une bonne journée de soleil. Oh, celle-là, elle est énorme. Elle est un petit peu juste, mais... Autre.
Donc j'ai fait un demi-tour, je vais passer par le rocher. Ah, c'est de la vague. Allez, et hop là. C'est du bois qui est rejeté par la mer, comme du bois flotté. Il y a des gens qui récupèrent pour faire des sculptures, l'utiliser parce que c'est un bois qui est assez solide. Il y en a qui ont des formes comme celui-là. Faire des choses avec un oiseau, n'importe quoi, une forme arrondie. Voilà. Bon, là, je vais rejoindre le sentier et rechercher mes chiottes. Soit elles ne sont pas mûres, soit ce sont des mâles qui ne produisent pas de fleurs. Ou des femelles qui sont pollinisées. Mais ça n'a pas de fleurs. À mon sens, là, je sais pas. Les mâles, à quoi ils servent? Est-ce qu'ils ont besoin de pollen? Est-ce que leur pollen doit venir polliniser mais ils n'ont pas de fleurs? Je ne sais pas comment ça marche. Ça pousse comme ça.
La terre, c'est vraiment de la belle terre bien riche. Si venir me nous là, c'est fou quand même. Protéger sa progéniture. Magnifique. Attention parce que l'année dernière en Gaspésie, sur des rochers comme ça, je suis tombée et je me suis cognée la tête sur un rocher. Et surtout je me suis fait mal à la cuisse. Et le rocher a frôlé. On m'a projeté sur un rocher en pointe. Et là, j'ai eu mal. Je vais éviter toutes ces caillasses. On me dit pas là, pas là, pas là. Ok, j'écoute. Thank you.
pousse. Au moins, les gens ici sont pas dégueulasses, il n'y a pas chier à l'intérieur. J'ai pas l'impression du vent, puis je vais manger mon petit chocolat. Je vais faire un chocolat chaud. Et ça, là, c'est le chemin que j'ai fait hier. Je suis passée par le haut, par là, mais je vois qu'il y a un autre chemin plus haut. Alors je vais essayer de le rejoindre pour voir ce lac. Parce que peut-être que je pourrais prendre de l'eau qui soit meilleure que dans les torrents, enfin les torrents, les tourbières. L'eau est quand même presque marron. Donc j'ai un bon filtre, mais on stoppe. Arrondi par le ressac, donc c'est un peu. Thank you.
trouver le parc. Il est mûr, il est mou et il est délicieux. Sur toute la quantité, il n'y avait qu'un qui était mûr. Comme il a fait froid à cette heure, on va avoir une semaine à peu près.
ici sud-est. Hier c'était ouest. Pas avant-hier. Ouf. Bon, ben voilà, je me suis arrêtée, je me suis ravitaillée en eau, dans l'eau du lac qui est propre. Enfin, pas trop marron, mais les jaunes, léger jaune. C'est pas. Elle a bien un bon goût comme celle de l'autre lac. J'ai préféré mon sac est un peu gros, j'ai presque 2 litres, mais au moins j'ai l'eau potable à tout, dans tous les sens du terme. Parce que celle que j'ai ramassée l'autre jour, elle était vraiment très jaune. Elle est noire, fleurie. Et j'étais pas très sûre. Là aussi c'est derrière le sentier, derrière par là. Le bruit que ça fait sous mes chaussures, c'est la mousse qui est desséchée. Certaines sécheresses. Alors. Ah oui, c'est au bas. Souffler la tente toute la nuit, la dernière nuit, c'est désagréable. Là, la mousse elle est morte, enfin, là, elle est morte en tout cas.
plusieurs petits états. Par les chantiers qu'on a. On suivre les voies même pas. Donc c'est plusieurs étapes. Là il y a toujours du monde, là il y a plein de monde. Les gens s'arrêtent là parce que le sentier est incertain pour aller au signe des phares. Puis pour beaucoup c'est loin. Là je dois faire à peu près 2 km. Autonome, je peux m'arrêter où je peux. Hein. Voilà, il faut que ce soit à l'abri du vent et pas humide comme ça. Donc, je vais juste. Là, je peux.